Te voilà, Alex. Veux-tu parler du temps que tu as passé dans le Colorado? Commençons par quelque chose de positif. Qu'as-tu appris de ton séjour à Even Springs? È collegata al lettore che gli si è magari bruciato qualche fusibile, no? Ma se fosse così non dovrebbe vedere proprio niente. Appunto, no, ma lì secondo... Ma poi così da Je pensais avoir appris ce que ça voulait dire que de trouver un vrai foyer. Ça a dû représenter une belle victoire. Parlons à présent de ce que tu as ressenti quand tu as compris ton erreur. Eh bien, je suis fière que tu aies essayé. Tu as aidé des gens, élucidé un mystère. Tu as embrassé un gentil garçon. Mais Alex, tu es revenu à la case départ. Vous avez tort. J'ai rien à faire ici. Si c'était vrai, Alex, tu saurais que tu es en train de parler à une chaise vide. Bordel. Ça doit être moi, patient numéro 53322. Jeté dans un... Quoi? No, capovolta e dopo peggiori. Ah, peggiora lei? Sì. Le docteur Lynn enregistrait... enregistre toujours nos séances. Il y a 12 ans, j'ai commis une erreur. J'ai fait quelque chose que je ne peux pas défaire. Alex, tu sais que je m'inquiète pour toi. Avec tout ce qui s'est passé... Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi.
elles ne sont pas au docteur Lin. Une cheville? Elles ne sont pas au docteur Lin. Alex Chen, mon étui à guitare ne me connaît même pas. Bien sûr. Ça doit être moi, patient numéro 53322. Gabe m'a donné cette guitare, mais il m'a jamais entendu en jouer. Visto che era PS4 gli hanno messo un Blu-ray. Gli hanno messo un Blu-ray che fa i rumori di due floppy. Non è una cosa normale. Io fossi in terra farei vedere, la sicurezza, Se vuoi ti do il numero della videoteca dove ti ho detto io. O la porti o se no la spedisci. Se vuoi portarla, se non hai nessuno come venire qua, prendi il treno. Tanto non costa mica tanto il treno, con 15 euro. Un biglietto d'andata e 15 euro di ritorno, al massimo dopo ti vengo a prendere in stazione. Vieni qua un sabato. Psst. Alex.
Gabe? Ma dai, ma non dire così, dai, non si sa mai. Te la potessi scavare con poco, beh. Y a plein de gens qui sont morts. La plupart le sont. On est où? J'ai envie de dire qu'on est dans un hôpital. Secondo me te la cavi con poco, secondo me. Le docteur Mendes aux soins intensifs. Ouais, c'est bien un hôpital. Gabe? D'accord, voilà ce que je sais. T'as 10 ans, j'en ai 14. Notre mère est malade. Notre père aussi, mais c'est une toute autre maladie. Joue ton rôle. È una coincidenza, però ti dico, finché è all'inizio il problema, te la puoi cavare con poco. J'ai rien fait. Stop. Hey, vous deux. Papa? Calmez-vous. Alex, va voir ta mère. D'accord. Elle était juste là. Elle m'attendait. Le voilà. Le tableau qui m'a fait comprendre que l'art pouvait parfois être à chier. On n'avait pas les moyens de prendre une chambre privée. On a eu de la chance. On regardait des dessins animés là-dessus après l'école. Maman tripotait ses clés quand elle était inquiète. Gabe, Alex, je veux que vous m'écoutiez bien attentivement. On a eu de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Et je vais être obligée de rester quelque temps à l'hôpital. Quoi? Maman? T'es malade? Chut, calme-toi. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu m'entends? Les choses... On a passé tellement de temps ici que j'ai fini par mémoriser chaque objet. Gabe m'a dit qu'elle était pleine de seringues. Ça m'a foutu une trouille bleue. Il faisait toujours trop chaud dans cette pièce. Elle est juste là, de l'autre côté. Combien de nuits papa a passé dans cette pièce, à dormir sur une chaise inconfortable et à manger au distributeur. C'est tellement bizarre et effrayant de voir son père pleurer. Maman, à chaque fois que je la voyais, j'avais peur que ce soit la dernière. Bonjour maman. 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 Tu es tellement courageuse. Comment es-tu devenue aussi courageuse? C'est ce qui s'est passé. T'es sûre que t'as rien loupé? Aïe! Gabe, arrête!
J'ai rien fait. Stop ! Hé, hey, vous deux. Papa ? Calmez-vous. Alex, va voir ta mère. D'accord. Attends, est-ce que j'ai loupé quelque chose ? On n'avait pas les moyens de prendre une chambre privée. On a eu de la chance. On regardait des dessins animés là-dessus après l'école. Elle le savait. Elle le savait déjà. Maman avait beau boire, elle avait toujours la gorge sèche. Si, si. On a passé tellement de temps ici que j'ai fini par mémoriser chaque objet. Gabe m'a dit qu'elle était pleine de seringues. Ça m'a foutu une trouille bleue. Il faisait toujours trop chaud dans cette pièce. Elle est juste là, de l'autre côté. Combien de nuits papa a passé dans cette pièce, à dormir sur une chaise inconfortable et à manger au distributeur. C'est tellement bizarre et effrayant de voir son père pleurer. Maman, qu'est-ce qui m'échappe ? De quoi on avait parlé ? Bonjour maman. Maman. De l'eau, Alex. Apporte-lui. Tu ne pleurais presque jamais, même toute petite. Tu le savais. Ça a toujours été ma plus grande difficulté avec toi. Comment on fait pour s'occuper de quelqu'un qui est déjà aussi fort ? Dovrebbe vedere se è la stessa. Sta cominciando a infiligrarmi. Perché sento parecchi pareri positivi da quando hanno fatto uscire i nuovi aggiornamenti, sia sulla X che sulla G. Allora... Ne pleure pas. Tu es forte. Che prima non era per niente così. Je veux que tu me promettes quelque chose. Ton frère, ton père, ils auront besoin de toi. Il faut que tu sois forte. Tu veux bien faire ça, Alex ? Semplicemente non hai pagato la upgrade, giusto? È semplicemente da hai scaricato l'aggiornamento perché hai la versione precedente, giusto? Sì.
Tu es tellement courageuse. Comment es-tu devenue aussi courageuse? Salute. Salute. Ci sarà qualche ragazza che mi sta pensando mentre sono al lavoro. O può essere anche Harry che mi sta pensando mentre sono al lavoro. Ti piacerebbe te? Secondo me ti sto pensando Dan. Oh Gesù. Ah, Gesù lei pensa più a fare Minecraft e... E che altro? Vabbè, Fortnite, vabbè. Mi è scaduto il flash perché me ne ero completamente dimenticato. E adesso vediamo quando è che lo rinnovo. Mi ero proprio completamente dimenticato che a me il 14 a San Valentino mi scadeva. C'était la dernière fois que tu lui parlais? Ah, maman. Je crois, oui. Elle te manque? Gabe, qu'est-ce qui se passe? À 11 ans, moi presque 15. Papa et moi, on est comme des bombes. Et toi, Alex, tu passes le plus clair de ton temps à essayer de nous désarmer. Là, ça va craindre un max. Joue ton rôle. Il n'y avait qu'une seule chose à faire, quand ils étaient comme ça, monter le son et attendre que ça passe. Le bouton du volume était mon meilleur ami dans ces cas-là. Alex? Hey. C'est bon, c'est juste moi. Mais tu sais que c'est pas ce qui s'est vraiment passé. Hein.
C'était à moi de maintenir la paix à la maison. Mais quoi, papa et maman ont eu cette télé bien longtemps avant nous. Gabe n'utilisait presque plus son sac depuis des semaines. Personne n'arrivait à le faire aller en cours. J'ai tellement essayé de tenir la promesse que je lui avais faite. Ça devait être l'objet le plus cher qu'on possédait. Il m'aidait à ne pas devenir folle. Le linge de papa, je le posais toujours ici quand il était lavé, pour qu'il le trouve. J'ai au moins réussi à te garder, chouchou. Si. Gabe et papa criaient tellement fort quand ils se disputaient. Les tablatures de Killer Mistress étaient complètement fausses dans ce bouquin. Gabe adorait Son of Led à l'époque où c'était encore une BD indé. C'était trop gore pour moi. Nettoyer le cendrier de papa n'était pas ma corvée préférée. Le vieux nécessaire à couture de maman. Je crois pas avoir jamais mangé de galette au beurre. Elle était remplie de cartes de vœux. Maman gardait toutes celles qu'on recevait. Merci d'avoir essayé, chat porte-bonheur. Je devais les trier en fonction de la distance qui nous séparait de l'huissier. Je voulais être un loup-garou pour cet Halloween. On n'avait pas les moyens d'acheter le costume. J'ai du mal à croire qu'ils aient été aussi heureux un jour. J'ai du mal à croire qu'ils aient été aussi heureux un jour. Gabe n'arrêtait pas de piquer les bières de papa. Ça devait être le seul truc pour lequel ils se disputaient pas. Deux verres d'eau pour un verre de riz. Régler le minuteur sur 30 minutes, faire le devoir d'histoire, servir. Quasiment vide. Comme à chaque fois. Je savais même pas ce que c'était le service de protection de l'enfance, mais je savais que j'en avais peur. Bonjour Gabe. Je m'appelle Leslie Alloran. Je travaille au service de protection de l'enfance de l'Oregon. Oui. On nous a rapporté qu'une dispute avait eu lieu ici hier soir. Ton père est là ? Oh, mince. Vous savez... Ouais, c'était juste une répétition. Je fais une pièce de théâtre, à l'école. Et mon père, il m'aidait à apprendre mon texte. Ça doit être une sacrée pièce. Mais si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, mon numéro est là-dessus, d'accord ? Dicevi eso? Sì, sì. Marzia e Mirko. Eh? Ti va bene un breakfast con un hotel, vero? Va bene tutto. No, 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 perché dall'amico mio è quasi impossibile riuscire. Il primo febbraio è stato il tuo compleanno, vero? Il 4 febbraio è stato il tuo compleanno. Ti faccio gli auguri adesso, ma te li rifaccio poi la prossima settimana. Non ti preoccupare. Lo impari la prossima settimana, lo impari. On n'y a jamais vraiment touché après la mort de maman. Elle cuisinait tellement bien. Duro, grosso e turgido. Je me souviens qu'il se disputait. Con un po' di vibrazione, come contorno. Aider.
mi ha chiesto Vale, tu ci sei al 100%, vero? Per il matrimonio, vero? Perché deve segnare i posti, no? E vuole capire se le persone che ci sono. Io ci sono. Senza problemi, vero? Perfetto, allora gli dico di segnarti al 100%. Gabe e papà criaient tellement fort quand ils se disputaient. Où tu vas comme ça? Mais tu comptes lui dire? Ou c'est à moi de le faire? Gabe, tu baisses d'un ton. Bon, eh ben je vais le faire. Alex, papa a perdu son travail. Encore. Donc on est à sec. Encore. Ne me parle pas comme ça. Contrairement à ce que tu penses, tu n'es pas au courant de tout. Tu crois quoi? Que je me suis renvoyé moi-même? Ça va aller. On trouvera une solution. Je pourrais... J'en sais rien, papa. Mais comment on va faire maintenant? Faut bien qu'on mange. On peut vendre des disques. Et ma guitare, je pourrais la vendre. Alex, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que tu arrêtes de le défendre? Si ta mère pouvait te voir, elle... Ne me parle pas de maman. Gabe. J'en ai trop marre que tu l'utilises comme une excuse pour te comporter comme un con... Ne me touche pas, bordel! Espèce de connard! Merde, Alex. Ça va, c'est rien. C'était un accident. Alex, je ne voulais pas. Papa, c'est rien. T'en fais pas. Je me suis pas fait mal. Je peux plus continuer. Papa. Quelqu'un viendra. Là, la femme du service de protection de l'enfance. Ou quelqu'un. Ma è così interattivo quel cyber. Papà! Abbastanza. Pardon. Parla tanto? Non lo sapevo. No. 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 Papà! Ma tu hai scelto uomo, giusto? Sì. Però puoi anche essere donna, giusto? Per quello che sono io. Ah beh, puoi anche fare una vedinazia, se no. Cioè che succede che l'ha fatto un mostro. Deve vedere come la... Come l'hanno fatto quei due su server. Però se vuoi creare una bella ragazza puoi farlo, giusto? Una bella prova. Sì, sì. Ti prendo anche a cambiare il colore dei capelli se vuoi. I capelli, mettigli il piercing. Quante sopracciglia gli vuoi mettere? Addirittura. Quindi hanno aggiunto roba che prima non c'era, giusto? No, non saranno anche prima queste. Di, je peux te poser une question? Ah, ok, pensavo avessero aggiunto qualcosa di... C'est quel orphelinat? Celui de Grand Park? Je voyais ça plus joli. Je peux pas faire ça, ok? Je peux pas. Il le faut. Non. Tu dois arrêter de te cacher la vérité sur ce que tu vois. Je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Maintenant, c'est fini. Presque. Mais pas encore. T'as 12 ans. Moi, 16. Je vole une voiture et je finis en centre pour délinquants. Gabe, arrête! Là, t'as 13 ans. Puis 14. 15. Une succession d'orphelinats, de foyers... De chambres qui sentent le renfermer dans les maisons inconnues des familles d'accueil. Du haut de tes 17 ans, t'as tout vu. Et à un moment donné, t'as commencé à ressentir des choses.
Tes propres émotions ne t'appartiennent pas. Tu n'as rien. Personne. T'es toute seule. Je veux pas faire ça. Alex. Joue ton rôle. Jouer mon rôle. Il disait que c'était pas une prison. Ils essayaient peut-être d'assurer votre sécurité. Sûrement. Quoi qu'il en soit, au final, ça ressemblait au barreau d'une prison. Une fois, j'ai pris une fourchette ici et je l'ai planquée sous mon matelas. Comme ça. Juste pour faire chier. Ils auraient dû imprimer ça sur nous aussi. T'avais vraiment l'impression de leur appartenir ? C'est pas comme si on appartenait à qui que ce soit d'autre, si. Je me souviens de la fille qui avait mis ça là. Sadie ? Sally ? Quelque chose qui commence par un S. Vous étiez amis au départ, non ? Au tout départ. Ensuite, j'ai pété un câble et elle a plus rien voulu faire avec moi. Comme tous les autres, d'ailleurs. Classe. Tout le monde avait une tenue du dimanche. On la mettait pour rencontrer les parents. Et ça vous aidait ? Je crois que tu connais déjà la réponse à cette question. Putain. Il me faisait prendre tellement de médocs. La fine del mondo, sta pistola. Quella cosa vuoi prima. Est-ce qu'il y en a eu qui marchaient ? Certains m'ont aidé, un peu, mais aucun ne m'a jamais guéri. C'est pas pour prendre leur défense, mais mutation empathique, ça se trouve pas dans le Vidal. Je crois que c'est fermé à clé. On doit avoir dépassé le couvre-feu. On n'ira plus nulle part. On n'avait pas le droit d'apporter du verre dans les dortoirs. Du coup, on devait boire là-dedans. Comme des hamsters en cage. Sauf que si tu donnes un verre à un hamster, il le balance pas à la gueule des autres hamsters. J'ai dû manquer quelques jours. Tu tiens le coup, Chou ? J'arrive pas à croire que t'aies gardé ce truc aussi longtemps. Ce truc... Ça a été mon seul ami quand t'es parti. J'en écrivais une chaque jour. Quelle bêtise. Pourquoi ? De toute évidence, il te manquait. Et je croyais que je lui manquais. C'était stupide. Ah, voilà mes cordes. Où est ma guitare ? Pas. Pourquoi est-ce que je peux pas avoir ma guitare ? On en a déjà parlé, Alex. Ta guitare reste dans la salle de récréation. Tu peux y jouer sur ton temps libre. C'est n'importe quoi ! J'en ai pas besoin dans la salle de récré, putain ! J'en ai besoin quand je suis coincée dans le dortoir, bordel ! Alex, ça suffit ! On peut aussi te supprimer l'autorisation d'en jouer, si c'est ce que tu préfères. Vous pouvez pas faire ça ! Toutes les émotions étaient tellement fortes. Il me fallait une distraction. Susan.
506 Medikit. Elle a tellement souffert, mais je ne sais pas si nous sommes prêts à accueillir une fille perturbée. Il a écrit qu'elle est sensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me demande pourquoi elle n'a pas encore trouvé de foyer. C'est une gentille fille, mais elle n'est pas faite pour nous. Elle est plutôt âgée, non? C'est elle, la petite qui se bagarre tout le temps, hein? C'est ça? J'aimerais aider, sincèrement, mais... Il y a quelque chose... de bizarre. De brisé... qui ne va pas. Chez elle. Je suis désolé. Pourquoi? Il faut que tu le vois. Que je vois quoi? Que personne m'a choisi? Personne ne t'a choisi. Personne ne t'a choisi. Personne ne voulait de toi. Maman est morte. Papa est parti. Je me suis tiré. T'as pas réussi à nous garder ensemble. C'était à moi de faire en sorte qu'on reste. Tu n'avais que 11 ans. Tu avais 11 ans. T'étais encore une gamine, Alex. Lâche prise. Et j'en parte. La vie devient dure. Et parfois, c'est qu'un long merdier. Améliore les choses. Sois en colère contre papa. Laisse maman te manquer. Merde, sois en colère contre moi. Mais n'abandonne pas. Personne n'a le droit de te dire ce que tu vaux. Et personne n'a le droit de te prendre ta vie. Pas toi. Je sais pas si... Tu as un don. Quelque chose que tu ne comprends même pas. Tu peux changer le monde. Améliore les choses. Lève-toi. Quoi? Lève-toi et bats-toi.
Allora, rilasciamo il posto della pistola. Il faut que je trouve une sortie. L'échelle est morte. C'est pas comme si j'avais pu grimper de toute façon. Des mines qui s'entremêlent, comme disait Jed. Je vais décider de ne pas prendre ça pour une prémonition. J'en rirais bien, mais ça me ferait un mal de chien. Depuis combien de temps c'est là, tout ça ? C'est une piste. Cette aura est ma seule et unique piste. Allez les gars, on y est presque. Une heure maudite pour la vie, pas vrai, Jed? On creuse tellement profond qu'on voit les enfers. Vrai de vrai. C'est ça.
C'est ça que Typhon essaye d'enterrer. Il y a beaucoup d'infiltrations d'eau. Jed, faut qu'on sorte. Ce puits est foutu. Il est pas foutu. Jed, on n'a pas de pompe qui tourne. Pas de... Mes équipes n'ont jamais abandonné un puits aussi profond. On finit le boulot. Doucement... Doucement... Putain, c'était quoi? Bougez-vous! Allez, quittez le tunnel! Qui on a à la radio? Jed! Merde! Jed! Jed! Il faut qu'on tire, tout de suite! Il reste des hommes en bas! Ils vont se noyer! Ouais, et nous aussi, si on se mine pas le cul! À toi de décider, Jed! Nom de Dieu! Nom de Dieu! Allez, tout le monde! On sort! Tout de suite! Ça sent comme un feu d'artifice. Ça doit être l'endroit où Typhon a fait sauter les charges. Espèce de connard! Chen, arrête, mec. Chen! Putain de merde, Chen! Reviens! Laisse tomber, Chen. Il reviendra pas. Je suis désolé. Je m'en veux tellement. Molto è più si medesima più nella parte, cioè nella storia, nell'epoca. Et depuis que je suis arrivée, j'ai eu la chance de comprendre ce qui faisait la particularité de Haven. C'est un magasin de fleurs géré par plusieurs générations. Un propriétaire de bar qui connaît le nom de chacun de ses clients. C'est le festival du printemps, une tradition centenaire. L'histoire, la loyauté, la fierté, toutes ces valeurs qui définissent Haven sont les mêmes valeurs qui ont permis de bâtir Typhon. Et c'est pourquoi notre partenariat a rencontré un tel succès. J'ai eu le privilège de renouveler l'engagement de Typhon envers Haven. Nous croyons sincèrement en cette communauté et nous sommes extrêmement enthousiastes pour son avenir.
Merci, Diane. Je pense que je parle pour nous tous lorsque je dis que nous avons hâte d'officialiser tout ça. C'est l'heure de voter, mes amis. Et ensuite, on déjeune. Alex, oh mon Dieu, je vais bien. Non, tu vas pas bien. Il faut qu'on t'emmène voir un docteur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma c'est bon, t'inquiète pas pour moi. Ça va aller. Alex, t'es blessé ? Tu as besoin d'aide ? On peut t'appeler une ambulance ? Typhon vous a tous menti ! Et Jed Lucan aussi. Alex, qu'est-ce qui se passe ? T'es parfaitement au courant de ce qui se passe. Je suis allée dans la mine hier soir. J'ai vu ce que Typhon cache depuis 12 ans. Jed Lucan n'est pas un héros. Cette histoire est un tissu de mensonges. Jed a provoqué l'accident. Ensuite, il a abandonné 7 de ses hommes. Il les a laissés se noyer pour sauver sa peau. J'ai trouvé des photos de Gabe et moi là-bas, par terre. Parce que l'un de ces mineurs était mon père. Typhon a voulu dissimuler ça. Au cas où, ça risquerait d'affecter le vote. Tout le monde est mort de peur dans cette société. Tout ce qu'ils font, c'est pour se protéger. Alors, ils ont décidé d'enterrer l'épreuve. Et rien n'allait empêcher cette détonation. Pas même le fait qu'il y avait 4 personnes dans la montagne à ce moment-là. C'est comme ça que Gabe s'est fait tuer. Jed était au courant depuis le début. Il a caché la vérité sur ce qui s'était passé à l'époque et sur Gabe. Et quand je l'ai découvert, comme vous pouvez le voir, il a voulu me tuer moi aussi. Pourquoi est-ce que personne ne dit rien ? On ne veut pas te mettre dans l'embarras, Alex. Essaie pour voir.
Ces accusations sont... Enfin, c'est dément. Et essayer de t'introduire dans la mine était bien évidemment très dangereux et vraiment très illégal. Mais nous compatissons tous à ta situation. Tu as beaucoup souffert. Ton frère était ta seule famille, n'est-ce pas? Je ne peux qu'imaginer à quel point tu veux expliquer son décès. Quelque chose qui t'apporterait du réconfort et qui rendrait ta vie moins injuste. Pourquoi tu dis pas simplement la vérité? Ça fait un moment que tu prépares ton départ de Typhon. Quoi? C'était pas dans ton contrat, les menaces et les tentatives de meurtre. Tu détestes tout ça. Là, tu as l'occasion d'arrêter. Papa? Est-ce que tu as la moindre idée de ce dont Alex est en train de nous parler? Non. Pas du tout. J'ai essayé d'être présent pour Alex depuis que Gabe est mort. J'ai cru, tu sais pas, j'espérais que je pourrais être une sorte de père pour elle. Et je pense que... parfois, quand on souffre, on finit par s'en prendre à ceux qui essaient de nous aider. Il joue la comédie, tu mens! S'il vous plaît. Je sais que c'est difficile à accepter. Vous lui faites tous confiance. Moi aussi, avant. Mais ce que je vous dis est vrai. Alex, moi, je te crois. Évidemment que je te crois. Moi aussi, je te crois. Ça m'horrifie. Ça me choque. Et... j'ai pas encore digéré tout le reste, mais... je te crois. J'aimerais parler. Cette jeune femme est arrivée à Haven en tant qu'étrangère. Mais au fil des semaines, elle est devenue l'une des nôtres. Certes, son histoire a l'air particulièrement farfelue et même impossible. Mais elle mérite au moins qu'on prenne le temps d'examiner ses dires. On devrait la prendre au sérieux. Moi, je suis d'accord avec Ducky. J'ai toujours pensé qu'Alex était vraiment une personne digne de confiance. Elle ne lancerait pas de telles accusations à la légère. Il a dû se passer quelque chose. Madame Lett, il n'y a pas la moindre preuve de quoi que ce soit. Peut-être. Mais c'est ce que je pense. En fait, Diane, ces preuves existent. Oh putain, c'est pas vrai. J'ai une clé USB pleine d'enregistrements. Oui, on en a déjà parlé hier. Tes supérieurs ont clos l'enquête. Personne n'a le temps de courir après des complots. Ouais. T'essaies encore de te défiler, hein? Je vois Cléa dans ton jeu. Je vois ne me provoque pas, Jason.
J'ai plus peur de toi. Ni de toi, ni de Typhon, ni de... Ça suffit. Pike, est-ce que tu as un problème personnel avec moi? Un peu, ouais. Jason. Très bien. Étant donné que ton jugement en la matière est influencé par tes émotions, tu devrais peut-être songer à te réfugier. Oh, arrête avec tes conneries si tu crois que tu peux me faire peur. Avec... Je pense que tu devrais te calmer. Je suis très inquiète qu'un membre votant de ce conseil ait ouvertement admis un parti pris personnel. Tu me crois? C'est un ramassis de conneries. Non. Ça tourne à la farce. Nous mettons la charrue avant les bœufs. Qu'est-ce qui prime là? Je suis plus ton petit chien. Je suis désolé. Je pars demain à la première heure. Papa. S'il te plaît. À vous. On verra ensemble pour la suite. Je suis époustouflé qu'elle ait réussi à te manipuler aussi profondément. Non, papa. Jamais je n'aurais pensé voir ça. Arrête. Ça me tue de te voir comme ça. Mon propre fils. Papa. Mon propre fils, nom de Dieu! Arrêtez. Je sais pourquoi t'as essayé de me tuer. C'est pas le mensonge que tu t'es raconté. Que tu pensais que ça valait mieux pour Haven. T'en as jamais rien eu à foutre de Haven, en fait. C'était pour ton propre bien. Je sais, ce serait plus facile de pas avoir à penser aux hommes que t'as enterrés. Tu veux détourner les yeux et faire comme si les gens que t'as tués n'existaient pas. Mais je te laisserai pas faire. Mon père a travaillé pour toi. Il s'appelait John. Personne n'en avait rien à branler de lui. Il se battait tous les jours pour survivre. Mais il espérait quand même qu'un jour ça irait mieux. Mais tu l'as tué. Et Gabe, mon grand frère. Il était en train de fonder une famille ici. Il le faisait à sa façon, en s'adaptant au fil du temps. Ça le rendait tellement nerveux et tellement enthousiaste. Il m'a fait venir ici pour faire partie de cette famille. Mais il est mort. À cause de toi. Et puis, il y a moi. Tout ce que j'ai voulu faire pendant si longtemps, c'était survivre. Et aller de l'avant. Haven m'a transformée. J'ai commencé à penser à l'avenir. Je veux arriver à trouver ma place. Je veux savoir qu'il existe un endroit et un groupe de gens qui seraient pas les mêmes sans moi. Je commençais à ressentir ça ici.
Et puis t'as essayé de m'assassiner. T'aurais pris ma vie pour ne pas avoir à assumer la vérité. T'as oublié ? Pas vrai ? T'as recouvert la vérité d'une histoire différente. Tu dis que t'es un homme bon. Tu prends soin de tant de personnes. Tu m'as donné un toit, un travail. T'es venu me voir quand je faisais mon deuil. Une telle bonté, une telle générosité. Mais ça, c'est un mensonge. Si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on trouve ? Il y a 11 ans, tu as mené un groupe d'hommes à leur mort. Et tu as vendu ton âme à Typhon. Tu les as laissés te convaincre que ce serait affreux que ta femme et ton fils la prennent. Tu les as laissés te convaincre que Evan était plus importante que les hommes qui sont morts. Quand ta propre identité et tes principes ont été mis en jeu, tu as laissé Typhon décider à ta place. Je vois bien que t'essaies de t'en distancer. Arrête. La vérité est cruelle. Parfois, elle est tellement terrible qu'on a l'impression qu'on va craquer. Mais quand on traverse ça, et qu'on en ressort entier, libre et encore en vie, là, on sait enfin à quel point on peut être fort. Je vois la vérité, la tienne. Tu te hais toi-même. Tu hais ce que tu as fait à l'époque. Tu hais ce que tu as fait depuis pour garder le secret. Et plus tu nies cette haine, plus elle grandit. Je sais qui tu es. J'ai vu les côtés les plus sombres de ton âme. Et je te pardonne.
encore des informations sur le scandale impliquant Titan Mining qui a secoué Haven Springs, une petite ville de la pente ouest où une réunion du conseil municipal s'est soldée par d'incroyables révélations. Jed Lucan, propriétaire du bar local et président du conseil, a avoué au cours d'une confession déchirante avoir dissimulé la mort de 7 employés de Typhon sous sa responsabilité il y a 12 ans. Une autre tentative de dissimulation, reposant sur une explosion clandestine et non autorisée pour gêner les inspections, a provoqué le mois dernier le décès de Gabe Chen, un résident local. Monsieur Lucan est actuellement en garde à vue en attendant sa comparution. Nous vous en disons davantage sur cette histoire en cours, y compris sur la démission du PDG de Typhon, l'impact qu'elle aura sur le marché, et ce que cela signifie pour votre temps de... Non, le silence est encore pire. J'ai besoin de prendre l'air. Après un effort suprême de force et de volonté, je suis enfin prête à aller de mon lit au toit. Ai-je besoin d'un portrait de Charlotte Harmon? Je pense que j'ai besoin d'un portrait de Charlotte Harmon. Je vous en mettrai, moi, du soutien indéfectible. Récemment? Ouais, enfin, façon de parler. Ça ne s'arrête jamais. Era molto più bella quella di Borderland. Di Borderland però. Non lo so quanto potrei farle sentire visto che siamo in live. Per quanto scurile. Ah, sono salito di livello, non so. Questo. Je suis tellement désolé de vous avoir tous inquiété. Pareil que Steph aimerait changer ce qu'elle a dit. Et c'était plutôt marrant. Ah, era qui, no? Questo era. Ma dove era quello della Miss Smart? Vabbè. Ah, oh, eccolo qua, perfetto. Mm.
Fornisce immunità dalla folgorazione. Vabbè. Metti. E questo non se ne sono mai accorti loro? No, aspetta, forse era la fazione, signor. No, di questo non se ne sono mai resi conto. Di che? Ci stava anche. Questo qua, sì, da 3062. Questi dovrebbero essere gli altri da 150. Adesso sono arrivato qua per questi 180, sì, quelli che ho preparato, che ho messo anche da sopra 150, 60, sotto il palco. Quaranta, ma il GL1 questo che c'entra? Harry, sentirai un rumore anomalo. Tipo questo. Dai, gli altri tiriamo su. E due. Questa è 150, quella che hai tirato da sopra lì. Che cazzo ha combinato là? Ha semplicemente sovrapposto quella che non c'entra un cazzo, quella è la 51, non la 50. No, la 53. No, la 52 è sotto lì. La 51, sì. E la 52. L'ha sballata perché lì è più lunga lì il corso. Così quasi. Ok.
Così. Mon père a peut-être mérité tout ce qui lui est arrivé, mais je suis quand même heureuse qu'on ait été avec lui à sa dernière heure. J'adore cette guitare, mais si elle me repose encore une énigme, je la balance par la fenêtre. J'ai beaucoup joué ces deux derniers jours. J'essayais d'organiser mes pensées, mais je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse. Le seul moment où je peux arrêter de penser, c'est quand je joue. Arrêter de penser à Jed, et à Gabe, et à papa, et à ce qui aurait pu arriver s'il était jamais venu ici. Mais ce à quoi je pense absolument pas, c'est moi, parce que ça a jamais été mon point fort. Mais tout à coup, c'est la seule question qui reste en suspens. Alors, je continue à jouer. J'ai plus parlé à Ryan depuis le vote. Qu'est-ce que je pourrais bien avoir à lui dire ? Ils disent que j'ai carburé à l'adrénaline ce matin. Maintenant, c'est surtout l'ibuprofène XXL qui me permet de tenir. Heureusement que j'ai vendu toutes mes actions chez Typhon. Sembra la Formula 1, non so perché. Invece non è la Formula 1. Je suis plus ou moins certaine que tous ceux qui avaient besoin de m'entendre m'ont entendu. Est-ce que c'est chelou que ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est Rad quelconque ? A chi capo ?
Heureusement que j'ai vendu toutes mes actions chez Typhon. Je suis consciente que mon inaction face à une telle injustice constituait une faute effroyable. Et je sais que je ne pourrai jamais défaire tout le mal et toutes les souffrances que j'ai causées. Je ne cherche aucun pardon. La seule personne qui aurait pu me le donner n'est plus là. Merci. Nulle victoire n'émerge de tout ceci. Juste des vérités douloureuses. Je comprendrai jamais vraiment ce qui m'est arrivé au fond du puits, mais je serai toujours reconnaissante. Je suis contente qu'il ait gardé, pour ce que ça peut valoir. Ma li voglio uccidere! Me regali sta moto, sì? Anche lui. No, sono da due, perché... Capo qui, capo lì. J'ai l'impression d'avoir vécu tant de choses avec Eleanor. Ça m'a vraiment touché qu'elle me croie. Je suis contente d'avoir laissé Charlotte surmonter sa colère, même si ça a été difficile. Je crois que c'est ce qui lui a donné la force de me soutenir. Je me suis sentie très proche de Ducky après notre danse. J'imagine que lui aussi. Ça doit être rare qu'une feuille de chou locale ait l'exclusivité d'un scoop pareil. Ah, Michele, l'esame l'ho superato, eh. Ottimo. Ti ricordi che dicevo dell'esame? Sì. Ti ricordi l'esame che ti dicevo? Voilà. C'est pour ça que je ne lis que les pages sur l'art. No, non sto parlando con te. Ti ricordi che dovevo fare l'esame il 19? No, no, io adesso sto parlando a te, non alla tua propria cuore. Ti ricordi quando dovevo andare a fare l'esame? Ti ricordi che dovevo andare a fare l'esame? Ti ricordi che dovevo andare a fare l'esame di grigliatore? Delle grigliate, ti ricordi? Vabbè, dopo. La... Che stavo studiando, ti ricordi che stavo su un muletto a studiare io? Col libro. Ti ricordi che stavo studiando col libro? Ah, sì. L'ho passato, l'ho passato. Posso vedere un attimo quello là? Mamma mia. E questo è quello qua. Non mi interessa, non mi interessa. Dimmi, vabbè.
Il a jamais réussi à s'en débarrasser. Vous avez déjà manié une pioche, monsieur... Chen. John. Mais non. Mais je... Je suis un bosseur. Et j'apprends vite. Et les horaires à rallonge ne me dérangent pas. Vous n'avez personne qui vous attend à la maison ? Non, monsieur. Très bien, John. Vous voilà mineur maudit. Peut-être bien que je mérite d'obtenir justice en espèces, mais je préfère largement continuer à aller de l'avant. Ça fait 2 jours que le GN a eu lieu, ça me paraît impossible. Je veux sortir sans voir personne. C'est pour ça que Dieu a créé les toits-terrasses. Ryan, je suis vraiment désolée. Je sais. Ci sono. Sì, sì, sono concentrato. Qu'est-ce que l'avenir réserve à Alex Chen ? En fait, je te demande parce que... Je veux... être avec toi. Que ce soit ici... ou ailleurs. Si tu veux de moi... je serai là. Tu es adorable, Ryan. Merci. Je t'en prie. J'ai pas l'habitude de prendre les décisions que je veux. Je serais mieux d'y réfléchir. Sûrement. Ouais. Tu sais me trouver. Si, si. In che senso sotto le ascelle che hai detto? Come i francesi, no? Siccome non si lavano, hanno messo la baguette sotto le ascelle. Ah, oh mamma mia. Allez, tu peux me le dire? Quoi? Mon avenir. Ce que je dois faire. Le soir du festival, Ryan a sorti le grand jeu pour me convaincre de rester à Haven. L'idée de m'installer véritablement dans cette ville, c'était agréable. Évidemment, c'était avant que tout parte en vrille. Allez, monsieur, je sais tout. Dis-moi. En fait, je sais ce que tu dois faire. Tu devrais rester à Haven. Oui, c'est vrai. T'as raison. Avant ça, j'ai jamais eu de maison. D'amis. Un boulot. Un endroit où vivre. Pourquoi est-ce que j'abandonnerais tout ça? Ceci dit, partir serait peut-être mieux. Quoi? Tu es jeune, tu te retrouves avec un peu d'argent, des amis.
Tu crois pas qu'il est temps d'essayer la musique pour de bon? Non, tu devrais partir. T'es sérieux? Arrête, Gabe. J'ai pas besoin d'entendre tes mystérieuses conneries spirituelles. J'ai juste...
Ho fatto direttamente il finale migliore. Non lei, perché mi scrive bambino, allora sai. Vabbè, io dico fortissimo. I'll celebrate on the day that I get the news. And I'll count down the ways. I'll be wishing that I was you. But I can't.
Fai i soldi.